aménagements et travaux occupent parfois une file de circulation. Il est alors courant de dériver la circulation sur une autre voie ou une autre chaussée s'il s'agit d'une autoroute ou d'une route à chaussée séparée. La signalisation devient alors très présente afin de guider les usagers. Tout d'abord, la suppression de la voie encombrée par les travaux, ici la voie de droite, est annoncée par un premier panneau, éventuellement associé à un panonceau de distance. Ensuite, un second panneau avertit les conducteurs qu'ils vont franchir le terre-plein central pour être dirigés sur une autre chaussée sur laquelle ils disposeront de deux voies temporaires, ou bien d'une seule. Le marquage au sol jaune matérialise la ou les voies temporaires. Cette signalisation est renforcée par des balises de position rouges et blanches, ainsi que par des panneaux d'obligation. Si nécessaire, des balises jaunes renforcent le marquage longitudinal temporaire. Une fois sur la voie temporaire, le conducteur est averti des voies affectées à chaque sens de circulation par ces panneaux. Attention, certaines voies peuvent être interdites à certains usagers. Dans ce cas, une interdiction d'accès est dessinée sur la voie concernée,